Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode consacré au Mont-Saint-Michel. Nous allons voir ensemble le plan du site, les matériaux utilisés dans la construction. Nous passerons également une journée avec les moines et leur communauté. Nous verrons plus en détail les pèlerinages et les prisonniers du Mont-Saint-Michel. Et enfin, nous parlerons des écrivains qui se sont inspirés du Mont-Saint-Michel. Commençons tout d'abord par le plan de la merveille. Tout un symbole. La disposition des pièces de la merveille obéissait à une symbolique précise. Le bâtiment reflète la vision de la société médiévale hiérarchisée en trois ordres. Ceux qui travaillent, les pauvres et les pèlerins, sont accueillis dans l'aumônerie. Ceux qui combattent, les chevaliers et les dignitaires, se rendent dans la salle des hôtes. Et ceux qui prient, les moines, sont tout en haut, dans le réfectoire, pour être plus près de Dieu. Le bâtiment ouest hiérarchise les nourritures. En bas, celle du corps, dans le cellier. Au milieu, celle de l'esprit, dans le scriptorium, et en haut, celle de l'âme, au niveau du cloître. Cette disposition devait être complétée par un troisième bâtiment jamais construit, comprenant en bas une salle de justice, une infirmerie, et enfin une salle du chapitre pour la lecture des textes saints. Ces trois pièces symbolisent les trois grandes vertus, la justice, première vertu des cardinales, la charité, première vertu théologale, et enfin l'obéissance à la règle, première des vertus monastiques chez les bénédictins. Voyons maintenant en détail les différents points du plan. En numéro 1, l'aumônerie. Elle sert de réfectoire pour les pèlerins et les pauvres. Elle est divisée en deux nefs par une rangée de colonnes rondes au chapiteau sans décor. Sans doute un vestige des constructions de l'abbé Roger II au XIIe siècle. En numéro 2, la salle des hôtes. De même dimension que la précédente et avec la même disposition en deux nefs, elle est beaucoup plus élégante. Fines colonnes qui n'arrêtent pas la vue, chapiteaux sculptés de plantes, ouvertures plus larges, lumineuses. Réservée aux visiteurs de haut rang, rois et dignitaires, elle comporte trois cheminées, deux pour faire rôtir les pièces de viande, une pour le confort des invités. Une tapisserie enroulée et fixée au plafond permettait d'isoler la partie cuisine du regard des visiteurs. En numéro 3, le réfectoire. Situé à l'étage supérieur, à 50 mètres au-dessus du rocher, il comporte un plafond lambrissé en bois, ce qui allège la structure de l'ensemble en évitant l'emploi de colonnes centrales. Les murs latéraux laissent bien passer la lumière grâce à une succession de lancettes longues et étroites. Plus on monte, plus on se rapproche de Dieu et de la lumière. Prévu pour 300 moines, le réfectoire n'en a jamais accueilli plus d'une soixantaine. À l'angle sud-ouest se trouvaient les cuisines, aujourd'hui disparues. En numéro 4, le chartrier. Situé au nord-ouest de la merveille, le chartrier est installé dans une tour qui fut édifiée pour combler l'espace à l'angle droit de deux contreforts. Accessible depuis ses trois étages, il abritait les archives et les chartes, d'où son nom, du monastère. Transférées à Saint-Lô, celles-ci ont disparu dans un incendie en 1944. En numéro 5, le cloître. Lieu de méditation et seul espace de liberté du moine, il est posé entre ciel et terre, au dernier étage de la merveille. Les colonnettes sur deux rangées sont placées en quinconce et non pas jumelées, comme dans les autres cloîtres, donnant le sentiment d'une plus grande liberté. L'intérieur des galeries est richement orné. Le jardin intérieur actuel date de 1965 et rien ne permet d'affirmer qu'il existait au Moyen-Âge. En numéro 6, le scriptorium ou salle des chevaliers. Le scriptorium est divisé en quatre nefs par des colonnes aux chapiteaux décorés de feuillages. Des espaces de travail sont ainsi aménagés pour les copistes. La lumière pénètre par de vastes baies circulaires. Deux cheminées côté nord permettent de lutter contre l'humidité pour conserver les livres. En numéro 7, le cellier. Divisé en trois nefs par deux rangées de piliers carrés supportant des voûtes d'arêtes, il servait à entreposer les provisions apportées par la mer et hissées par une grande roue. Il était relié par un escalier à la fontaine Saint-Aubert, située très en contrebas près de la grève, qui fut longtemps le seul point d'eau potable du mont. Et enfin, les galeries du cloître. Le décor de l'intérieur des galeries du cloître raconte l'histoire de la création en suivant la course du soleil, de l'est, figure de Noé, jusqu'au nord, ténèbres éclairées par l'agneau christique. On peut entre autres y remarquer une chouette, frise occidentale, symbole de l'hérésie qui refuse la lumière divine, et quatre portraits qui seraient ceux des constructeurs du cloître. Voyons maintenant le type de matériaux utilisés pour la construction de la merveille. La pierre. Le granit est la pierre qui a été la plus utilisée pour la construction du mont. Il provient des îles Chausey, situées à 35 km et qui furent offertes à l'abbaye en 1022 par le duc de Normandie Richard II. A l'époque, le mont était encore une île et des bateaux plats type chalands pouvaient apporter cette lourde cargaison à marée haute. En tant que carrière, les îles ont été exploitées jusqu'au XXe siècle avec la reconstruction de Saint-Malo.
L'allumachelle est une pierre calcaire qui, une fois polie, prend des tons qui vont du vert profond au pourpre, donnant un bel aspect de marbre. Importée d'Angleterre, elle a été utilisée pour les colonnettes du cloître. Le calcaire blanc de Caen a servi pour le décor du cloître. D'un grain très fin, il a été employé en Normandie à partir du XIe siècle, car il se prête bien à la sculpture. On utilisait également le bois. Son emploi permettait d'alléger les structures et de ne pas provoquer de poussées sur les murs gouttereaux, comme pour le plafond du réfectoire où la charpente est lambrissée, ou pour couvrir les galeries du cloître d'un berceau lambrissé plus léger qu'une voûte en pierre. Enfin, on a utilisé la terre cuite. On a retrouvé dans la merveille des carrelages vernissés et décorés de fleurs de lys ou de motifs géométriques. Je vous propose maintenant de passer une journée avec les moines. La vie des moines suit la règle de Saint-Benoît qui s'est appliquée au monde de 966 à la Révolution. Austère, elle repose sur l'obéissance, la prière et le travail. Les moines consacrent au moins 8 heures à la prière, fondement de la vie contemplative. La première célébration se déroule à 4 heures du matin, les laudes, qui sont suivies de primes pour le lever du soleil, d'une messe basse à 8 heures, de tierce à 9 heures, puis de la messe conventuelle. Sexte clôt la matinée vers midi. L'après-midi commence avec nonne à 15 heures, se prolonge avec les vêpres en fin d'après-midi. Les complies marquent la fin de la journée avec la bénédiction des moines par l'abbé. Les moines se consacrent à l'étude, c'est-à-dire à la lecture et à la méditation deux fois par jour, entre 10h et midi, puis entre 15h et 16h. La méditation a lieu dans le cloître. Les repas sont pris dans le réfectoire. Le déjeuner, simple collation, précède le vrai repas dans l'après-midi. Les moines n'ont pas le droit de manger d'animaux à quatre pattes. Ils consomment donc du poisson frais ou séché, et parfois de la volaille, non considérée comme de la viande, des fruits et des légumes, et une demi-livre de pain. On leur sert du cidre et du vin, un quart de litre par tête, car l'eau n'est pas toujours potable. À table, le silence est de rigueur. Les moines communiquent avec leurs mains et mangent en écoutant des textes sacrés lus par le moine semainier. La communauté. L'abbé. La règle veut qu'il soit élu à l'unanimité par un collège de 7 moines, eux-mêmes mandatés par la communauté. Mais pendant longtemps, les ducs de Normandie imposèrent leur choix. L'abbé doit jurer obéissance à l'évêque d'Avranches, fidélité au roi de France, et s'engager devant les moines à respecter leurs coutumes, les consuétudines. Outre ses fonctions d'administrateur, il règle aussi la vie de la communauté en s'aidant des conseils du chapitre, qui se réunit une fois par jour et rend la justice dans la salle de belles chaises située au-dessus de la salle des gardes à l'extrémité est du mont. Les moines. L'abbé est aidé par le prieur claustral et le sous-prieur. Viennent ensuite les professes, les moines qui ont prononcé leurs vœux solennels. On en compte le plus souvent une quarantaine qui fait la richesse de l'abbaye, car ils reçoivent des revenus, les prébendes monacales, une sécurité financière qui attire de nombreux candidats. Les moines converses proviennent de couches sociales plus modestes. La prêtrise leur est interdite et ils se consacrent à des tâches agricoles et manuelles. Enfin, vivant au monastère ou dans le village, les familles sont des laïcs au service des moines. Voyons maintenant les pèlerinages au Mont-Saint-Michel. Les pèlerins. Les pèlerinages au Mont-Saint-Michel commencèrent dès sa fondation et connurent un regain d'affluence pendant les croisades, un phénomène commun à tous les pèlerinages. Seule la guerre de Cent Ans mit un frein provisoire à ces déplacements. Cependant, le Mont-Saint-Michel ne connut jamais le succès de Saint-Jacques de Compostelle. Un proverbe dit, je cite, « Les petits gueux vont au Mont-Saint-Michel et les grands à Saint-Jacques. » Les pèlerins, ou miquelots, venaient surtout en voisins de Normandie et de Bretagne. On note aussi la présence d'anglo-saxons, de flamands et d'allemands. Une confrérie à Paris accueillant des pèlerins note qu'elle en a reçu 15 570 prenant la route du Mont pour la seule année 1368. Le pèlerin partait pour prier, répondant à l'appel de Dieu ou pour guérir, le Mont ayant produit son lot de miracles. Certains le faisaient aussi par pénitence, en expiation d'un crime grave, mais aussi d'un simple maraudage ou d'une offense faite à un seigneur. Le pèlerinage, comme pénitence religieuse, était ordonné par un tribunal avant d'être remplacé par la flagellation au XIIIe siècle. Les malfaiteurs se distinguaient dans la foule des pèlerins par des vêtements rudimentaires et des chaînes aux pieds. Certains effectuaient un pèlerinage vicaire, voyageant à la place d'autres, souvent pour être rétribués. Le pèlerin se distinguait par ses habits, une tunique courte à manches, la cotte, par-dessus un surcot et enfin une cape appelée pèlerine. Un chapeau rond à large bord, une besace et un bourdon, ce bâton avec une crosse à l'extrémité complétaient la tenue. Les dangers du voyage, notamment lors de la traversée de la baie, restaient grands, même si les légendes noires du mont les ont très exagérées. Je cite « Si tu vas au mont, fais ton testament.
conseillait d'ailleurs un proverbe normand aux pérégrins qui s'en préoccupaient avant son départ. Les sables mouvements, ces grèves mangeuses d'hommes, la vitesse de la marée remontante, 62 mètres par minute, et surtout la brume qui égarait les voyageurs, causèrent bien des disparitions. À son retour, le pèlerin accrochait sur ses habits les enseignes témoins de son périple. Coquilles, figurines représentant l'archange, médailles, etc. Voyons maintenant la vie des prisonniers au Mont-Saint-Michel. La vocation carcérale du Mont n'est pas la page la plus glorieuse de son histoire ni la plus connue. C'est pourtant dès le règne de Louis XI que celui-ci fit de l'abbaye une prison d'État et y installa même une fillette utilisée jusqu'au XVIIIe siècle. Rien d'angélique chez celle-ci, il s'agissait en fait d'une petite cage étroite, basse et suspendue dans laquelle se tenait à peine un seul homme. Tous les prisonniers ne subirent pas ce triste sort, mais au XVIIIe siècle, les conditions de détention dans les cellules révoltent les visiteurs. La vocation spirituelle du Mont est bien oubliée. Le XIXe siècle aggrava ce triste rôle. Napoléon, puis les Bourbons, ayant besoin de prison, le Mont-Saint-Michel fut transformé en maison d'arrêt dans laquelle cohabitaient prisonniers politiques et détenus de droit commun. Les uns n'étaient pas mieux traités que les autres. Un séjour dans les Jumeaux, cachot situé à l'ouest, dans le froid et l'humidité, sans lumière et à peine aéré, châtiait les récalcitrants. À Paris, on s'indignait, tel Victor Hugo qui, pour avoir visité le Mont, le décrivit comme, je cite, « sinistre amas de cachots, de tours et de rochers ». La plupart des prisonniers étaient condamnés aux travaux forcés. On les employait à filer le coton, à tresser les chapeaux de paille ou à travailler le cuir. La salle des chevaliers fut transformée en atelier pour les hommes, le réfectoire réservé à celui des femmes. L'église accueillit des dortoirs. La nef fut scindée dans le sens de la hauteur avec des planchers en bois, tandis que des ateliers prenaient place dans le pourtour du chœur et dans les chapelles. Napoléon III ferma la prison en 1863, ordonnant le transfert des détenus à Rochefort. Une nouvelle vie s'ouvre enfin pour le Mont-Saint-Michel. La roue du Poulain. En 1820, une grande roue appelée Poulain fut installée dans l'ancien ossuaire du XIIe siècle. Six prisonniers l'actionnaient en marchant à l'intérieur pour tracter un chariot qui remontait les provisions le long d'une rampe posée contre le rocher. Cette roue est toujours visible à côté de la chapelle Saint-Étienne. Pour finir, je vous propose de parler des écrivains qui se sont inspirés du Mont-Saint-Michel. Tout d'abord Stendhal dans « Mémoire d'un touriste » en 1838. Je cite « En faisant à pied la longue montée qui précède les premières maisons d'Avranches, j'ai eu une vision complète du Mont-Saint-Michel qui se montrait à gauche dans la mer. Il m'a paru si petit et mesquin que j'ai renoncé à l'idée d'y aller. Ce rocher isolé paraît sans doute un pic grandiose aux Normands qui n'ont vu ni les Alpes ni Gavarnie. » Citons ensuite Victor Hugo dans « Les quatre vents de l'esprit » en 1881. Je cite « La nuit morne tombait sur la morne étendue. Le vent du soir soufflait et, d'une aile éperdue, faisait fuir à travers les écueils de granit quelques voiles au port, quelques oiseaux au nid. Triste jusqu'à la mort, je contemplais ce monde. Oh, que la mer est vaste et que l'âme est profonde. Saint-Michel surgissait, seul sur les flots amers, Khéops de l'Occident, pyramide des mers. » Puis Guy de Maupassant dans Le Horla en 1887. Je cite « Je regardais se dresser devant moi, à mesure que j'approchais d'elle, la surprenante abbaye. Après plusieurs heures de marche, j'atteignis l'énorme bloc de pierre qui porte la petite cité dominée par la grande église. Ayant gravi la rue étroite et rapide, j'entrais dans la plus admirable demeure gothique construite pour Dieu sur la terre, vaste comme une ville, pleine de salles basses écrasées sous des voûtes et de hautes galeries que soutiennent de frêles colonnes. J'entrais dans ce gigantesque bijou de granit, aussi léger qu'une dentelle, couvert de tours, de sveltes clochetons, où montent des escaliers tordus et qui lancent dans le ciel bleu des jours, dans le ciel noir des nuits, leurs têtes bizarres hérissées de chimères, de diables, de bêtes fantastiques, de fleurs monstrueuses et reliées l'un à l'autre par de fines arches ouvragées. » Enfin, Théophile Gautier l'a cité dans son livre « Quand on voyage » en 1865. Je cite « Une visite au Mont-Saint-Michel est un plaisir du même genre que celui que l'on prend à lire un roman d'Anne Radcliffe. Vous montez, vous descendez, vous changez à chaque instant de niveau, vous suivez des couloirs obscurs, tantôt dans la montagne, tantôt dans les airs. Vous arrivez à des caïcum, à des portes murées, derrière lesquelles s'accroupissent les vagues terreurs. Le plancher sonne creux sous vos pieds. Vous êtes au-dessus des puits des oubliettes, ou plutôt du charnier dans lequel se déversait le trop-plein de l'étroit cimetière. » Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà eu la chance de visiter le Mont-Saint-Michel ainsi que son abbaye, et si ce n'est pas encore le cas, est-ce que cela vous tente d'aller visiter cette merveille ? N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que cela peut intéresser et inspirer. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés, et moi je vous dis à très bientôt !